That's not what I wanna hear. You ain't got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please. Tell us it ain't so. They told us that our hero would bend his trump card. He doesn't know how to go on. We're clinging to his charm and determined smile, but the good old days have gone. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. We pinned our hopes on you, Joe, and they're ruining our show. The image and the effort may be falling apart. The money has got us guess. One man's word held the country together, but the truth is getting clear. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. We pinned our hopes on you, Joe, and they're ruining our show. Someone I wanna hear you and I got a right to know. Joe. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie survend. Un million d'années. Et toujours en été. Oh, c'est joli quand on chante. Vous avez rencontré Brigitte Bardot, par exemple, ouais, sur ouais. un tournage. Le film s'appelait À cœur joie. La première rencontre, c'est une scène. Vous jouez avec elle, vous lui donnez la réplique. Ça se passe dans une voiture de luxe. Ouais. Elle arrive en beige, avec des bottes qui montaient au-dessus du genou. C'était vraiment le top de sa carrière. Elle avait 32 ans. Elle était en mini-jupe, en daim, des bottes. J'ai devenu tout rouge. Juste dans les secondes, je l'ai regardé. En plus, j'ai vite tourné en avant, regardé en avant parce que je pouvais pas. C'était. Et en tant que jeune comédien, on vous a chargé d'une mission. Il fallait l'emmener le soir dans les restaurants et les boîtes de nuit. Ouais, mais c'est parce que il y avait un moment où elle posait des questions à le monsieur qui était à côté de moi sur les disques, et il a cité des vieux disques, et j'ai dit bah attends, il y a quand même des choses un peu plus récentes. Plus récentes que celle-là. Et elle a dit c'est qui vous? Et j'ai dit je sais pas pourquoi je l'ai dit, mais je suis Monsieur Ed. Alors elle m'appelait Monsieur Ed, et dans très peu de temps on a parlé ensemble, et puis finalement c'était clair que j'étais un peu plus branché que l'autre à côté de moi. Et puis en France, quand on veut décider d'y aller ensemble quelque part, on prend des heures pour décider. Oui. Mais là j'avais rien à perdre, alors tout de suite j'ai décidé on y va là. Et je suis allé dans tous les clubs qu'on ne me permettait pas d'y aller. Oui. Et le soir que j'avais Ursula Andress et Brigitte, l'un des deux côtés de moi. Là, j'ai fait un score avec des gens qui ont duré jusqu'à aujourd'hui. Vous avez votre carte de membre, non, chez Brigitte Bardot?